meine Führer. Ja, was, Gunther? Tout le monde vous trouve méchant. Et alors, c'est embêtant? On vous dit plein de haine. C'est vrai, mais pas que. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? À part ma moustache. Pom 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 pom. Ich liebe les pommes. Pom pom pom. Ich liebe les poires. Poires poires. Ich liebe les fraises tellement. J'en garde pour plus tard. Tartare. Nein! Pas tartare! Pas la viande! Je suis végétarien! Maintenant, je reçois Vincent Renouard. Alors, Vincent qui commence un peu à faiblir dans son combat à cause de la ligne rouge. Alors, Vincent, ça va la santé? Bonsoir, mais parfaitement bien. Il court une rumeur sur Internet comme quoi je suis cancéreux, mais pas du tout. Je fais ni plus ni moins que le régime de mon cher contradicteur. En effet, ils m'ont coupé l'herbe sous les pieds, je n'ai plus de revenus. Ils m'ont imposé un Koh-Lanta. Donc, je fais de la soupe aux écorces de bois, ainsi qu'aux racines, et je me fais pousser des rutabagas dans mon jardin. Du coup, j'ai perdu 40 kilos en 2 mois. Je tiens à remercier mon cher contradicteur. Grâce à lui, je me sens beaucoup plus léger. Mais mon cerveau, lui, n'a pas maigri. Au contraire. Avant, j'avais la tête en O, maintenant j'ai la tête en V. Mais V, pas comme victime, comme victoire. Bah écoute Vincent, content de voir que tu vas bien. Alors est-ce que tu... Si t'étais au pouvoir, qu'est-ce que t'aurais comme projet? Eh bien, je ferais bien construire des parcs d'attractions comme Auschwitzland, Dachauland, Birkenland. Mais les vainqueurs me l'interdisent toujours et refusent encore tout débat. Mais ce n'est pas grave, un jour, on finira par trouver un terrain d'entente. Pourquoi? Parce que je suis patient et surtout parce que je n'ai pas de haine contre eux. Grâce à eux, je suis de plus en plus léger. L'espoir fait vivre. Merci Vincent et bonne continuation également. Et je suis une personne qui aime aussi les plaisanteries. Oh, regarde, tu as une tache ici. Où ça? Scheiße. J'ai beaucoup aimé votre blague de la tache, mein Führer. Ne me lèche pas le cul, Gunther. D'ailleurs, arrêtez tous de me lécher le cul. Et arrêtez de m'apporter des pommes, je suis pas votre maîtresse. On reprend? En ce moment, je fais des cauchemars avec toute cette haine. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Joe le Corbeau, Dieudonné, Alain Soral, Forisson m'ont kidnappé, m'ont emmené dans une cave et m'ont torturé. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, c'est simple, ils m'ont attaché sur une chaise. Il y avait devant moi un grand écran. Et ils m'ont diffusé 3 heures de Vincent Renouard. C'était insupportable. 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 Bonsoir à tous. C'est Vincent Renouard, le gentil nazi. Je vous parle actuellement de ma cellule où je purge 1 an de prison pour contestation de crimes contre l'humanité. Si je peux communiquer avec vous ce soir, c'est grâce à un ami gardien qui a pu me fournir un ordinateur portable et une connexion Internet. Je ne donnerai pas son nom pour des raisons de sécurité. Ce soir, pour changer, nous allons parler des camps de concentration. Le vainqueur vous a toujours montré des images de squelettiques. Mais ils ne vous ont jamais montré ces photos-là. Cette photo a été prise le 18 juillet 1942 à Auschwitz. Il y avait une grande piscine avec plongeoir. À gauche, vous pouvez voir le Reichsführer Himmler en maillot de bain. Il était maître nageur et les déportés avaient le droit à des masseuses. On vous a fait croire que notre Führer était violent, mais pas du tout. Regardez comme il était gentil et bon blagueur. Cette photo a été prise le 4 août 1943. Vous pouvez voir notre Führer amuser les déportés dans un jacuzzi. Cette photo a été prise le 31 septembre 1942. Notre Führer était un grand danseur et il faisait déjà des quenelles. C'est normal, le Saint Reich avait besoin d'une main-d'œuvre efficace, c'est pour cela qu'il traitait bien les déportés. Et si on vous a montré des images de squelettiques, c'est parce que les Américains ont bombardé les ravitaillements. Voilà pourquoi ils sont devenus squelettiques. Les vainqueurs ont collé leur œuvre sur le dos de notre divin Führer. Taisez-vous! C'est Martin. Ne vous inquiétez pas, mon cher contradicteur. J'entends l'administration pénitentiaire et la garde venir me chercher pour me mettre en isolement, parce que j'ai récidivé. C'est pas grave, je commence à avoir l'habitude. On se retrouve dans 15 jours pour continuer le combat. Bonsoir.
Mais ce que je préfère chez les humains. Mais qu'est-ce donc? C'est les Ariens. Et en plus, vous n'êtes pas simple à rien. Adolphe, vous êtes féchette à rien. Je comprends pas. J'explique. Yeah. Vous n'êtes pas n'importe quel à rien. Vous êtes féchette à rien. C'est une très Je suis impatiente. Alors, je découpe. Yeah. Vous n'êtes pas simple à rien, juste à rien. Vous êtes féchette à rien. Féchette. Ok, d'accord. Ok, féchette à rien. Ok, féchette à rien qui mange des légumes. Oui. C'était formidable. Je l'ai dit il y a 2 minutes. Oui. Peut-être que les chansons sont bêtes. Peut-être qu'ils ne comprennent pas quand je parle. Non. Peut-être que c'est moi le problème. Je bafouille, je cafouille. Non, pas bafouille, cafouille. Parce que moi, Hitler, on ne comprend pas ce que je dis. Jamais je ne me permettrai d'avoir une telle opinion. C'était juste pour faire un léger trait d'esprit. Mais je me rends compte avec le recul qu'il est totalement ridicule et je me sens tel le caca d'un animal de votre choix. Trop long. Je déteste être interrompu. Je viole toutes les lois idéologiques de la démocratie, à commencer par la loi Guesso. Je ne contrains personne à me suivre dans cette voie. C'est mon chemin de vie. Chacun a le sien que je respecte. Bonsoir.